bien sur cette route qu'il y avait le marchand de vin, non? Je peux me souvenir, c'était un peu après la borne. 3 ou 4 km. Je suis plus très sûr, ça se trouve, on l'a dépassé. J'aurais bien aimé un petit verre de jaune. Du jaune après les huîtres. C'est sûrement dégueulasse. On n'a pas le temps. Non, c'est vrai, t'as raison, on n'a pas le temps. Comment t'as fait pour nous trouver des huîtres? Plus personne n'en trouve, surtout pas des fines. C'était un coup de chance. Coup de chance, tu parles. Prétends que tu vas devenir secrétaire d'État. Un secrétaire d'État, ça n'a pas besoin de chance pour dégoter des huîtres. Pourquoi t'es resté aussi longtemps en ville? Va savoir, peut-être la poisse. J'aime pas le train. Prétends que le procès de Pétain est pour bientôt? Sans doute pour le mois prochain. Le vieux est lessivé, complètement gâteux. Il va d'abord falloir qu'on récupère Laval. Le journal dit qu'il est en Espagne. J'aimerais bien voir l'Espagne. Il faut vraiment que ça soit ici que ça se passe. Toujours, c'est Mathieu qui appuie sur la détente, hein. C'est Marc qui donne les ordres et c'est Mathieu qui tire. C'est un héros, Mathieu. Il tremble pas, Mathieu. Mathieu liquide les traîtres et les ennemis de la cause. Il se pose pas de questions, Mathieu, hein. Mathieu, il exécute, hein. Ferme ta grande gueule. Et pourquoi je la fermerais? Pour crever dignement? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de crever dignement? Tant que je parlerai, tu tireras pas. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que t'es pas bien sûr d'être un héros. Et t'es pas bien sûr que je sois un salaud. Quelques lignes d'un torchon collabo te suffisent pas. À moi, ça me suffit. Dis-lui, Matt. J'ai tué un milicien ici il y a 2 mois. Robino, Robio. Je sais plus trop son nom. Il nous a dit que t'avais parlé. T'avais parlé tout de suite. T'avais parlé sans même qu'il te torture. Tu l'as cru ? C'est pas vrai, qu'est-ce que vous faites? Ce fils de pute, il t'aurait raconté n'importe quoi, Mathieu. Il t'aurait dit n'importe quelle connerie pour que tu le laisses en vie. Mathieu, t'as pas le droit. T'as pas le droit de me descendre. Ils t'ont pas chopé, toi, tu sais pas ce que c'est. Toi, t'as toujours été du bon côté du flingue. C'est trop facile pour toi, Mathieu. Tu passes à travers tout? Tu crois que ça te donne le droit de me faire crever? Putain, Mathieu, tu vas pas me descendre là comme ça, comme une merde! Je t'en supplie, Mathieu! Je t'en supplie, je veux pas crever comme ça! Pourquoi ils t'ont pas liquidé? J'en sais rien, moi. Peut-être qu'ils pensaient me réinterroger. Peut-être qu'ils pensaient que je pourrais leur servir. C'était des Français. Ils étaient déjà morts de trouille. Les Allemands pliaient bagages. Ils m'ont fermé dans une de leurs cellules. Quand les bombardements ont repris, ils m'ont oublié. Je suis resté seul 2 semaines. Et puis ce sont les Américains qui m'ont ouvert la porte. Comme un putain de nom de Dieu de héros. Donne-moi une cigarette.
Au moment de l'embuscade, j'ai pas eu peur du tout. Tu parles, j'avais tellement imaginé cette scène. Polo est mort tout de suite. Je l'ai même pas vu sortir du camion. Il a pris 6 balles, 8 balles, peut-être plus. Il y a eu une espèce de silence. J'ai pris le 11-43 dans la boîte à gants. C'est marrant, j'ai vraiment pris mon temps pour le faire. Et pourtant, à ce moment-là, il n'y a pas eu un seul coup de feu. C'est après que ça a recommencé. Des coups de feu partout. Partout dans la cabine, une montagne d'éclats de verre, un choc dans la tête, et puis... J'ai repris conscience là-bas. Il me filait des baffes. Il me posait des questions, moi je répondais. Je savais même pas si vous étiez mort ou vivant. Je leur ai tout dit, tout. Tout ce qu'ils voulaient m'entendre dire. Tu vois, Mathieu, c'est comme ça que ça se passe quand on est un lâche. On s'en rend compte d'un coup et après c'est trop tard. On s'enfonce encore plus. Ils le savent, les salauds. Ils s'en servent contre toi. Ils savent que c'est ton dégoût plus que ta trouille qui va te faire parler. Parler encore et encore. J'aurais vraiment aimé... être tué sur le coup. C'est quand même marrant, hein? La différence entre un lâche et un héros. Moi, quand ils m'ont chopé, je me rendais à la planque pour tout déménager. Je pensais qu'on aurait le temps. Que t'étais peut-être mort. Que tu parlerais pas, en tout cas, pas tout de suite. Et puis il y a eu Benoît descendu dans la rue. Mort sur le coup. Raoul, ils l'ont eu à son appartement. Il a voulu se barrer par les toits. Ils ont tiré, il est tombé dans la cour, 2 étages. Ces connards l'ont amené directement au poste avec les jambes pétées, des balles plein les reins. Ils n'ont pas attendu le médecin pour commencer. Pour me faire peur. Pour montrer qu'on allait tous crever. Ils l'ont battu devant moi. Il a pas dit un mot et on n'a pas eu le temps. Pourquoi tu rigoles? Oh, pourquoi tu rigoles? Putain, arrête tout de suite, arrête de rigoler! Marc le héros, le grand chef qui a subi 6 interrogatoires sans avouer quoi que ce soit. Tu es devenu fou quoi? Pourquoi tu te marres comme ça? Ferme sa gueule! Popcorn! J'ai jamais eu l'adresse de Raoul! J'avais pas son adresse! Mathieu le sait très bien et Gézal le sait aussi! J'avais pas son adresse! J'ai pas pu le donner! Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a balancé? Tu mens, sale bâtard! Tu mens pour t'en sortir! Donne-moi ce flingue, Marco! Je me demande ce que t'as pu leur donner d'autre. Je veux dire, à part Raoul, d'autres personnes sûrement. Mais ça n'a pas dû suffire. T'as dû les blanchir. Faux nom, faux papier, faux passé de résistant. Et après, parce qu'ils en savaient trop sur toi, tu les as fait flinguer par Mathieu. Matt. Matt, tu vas pas le croire. L'ordre, Marco. Fais-le voir. Fais-moi voir l'ordre, Marco. L'ordre écrit du parti. Pour que je bute ce con. J'ai pas de papier. C'est Michel qui m'a dit. Il n'avait pas le temps. Bon, moi, t'étais pas sûr. Est-ce que je savais? Est-ce que je savais pas? Est-ce que je risquais de comprendre si tu me laissais en vie? Bordel de Dieu, Mathieu, je t'en supplie, me regarde pas comme ça! C'est pas la première fois que le parti n'a pas le temps de donner des ordres écrits! Je les ai tués, Marc. Je les ai tués pour toi. Bah, t'écoutes, je veux plus entendre ta voix. Je veux plus t'entendre. Ni toi, ni l'autre fumier. Les anciens de la milice. Je savais pas comment tu faisais pour les trouver. Tu les connaissais tous. Tu savais où ils étaient. Moi, je me disais, Matt, t'es pas un malin. Alors écoute ce que dit Marco.
Fais ce que dit Marco. Marco, il t'a fait flinguer les miliciens! C'est ça que tu regrettes! Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? C'est la guerre, nom de Dieu! Ouais. Et c'est toi qui la gagne. Toi, t'es une huile maintenant. Influent, décoré, héroïque, grand camarade et secrétaire d'État. T'es efficace, Marc. Tellement efficace que tu me fous la gerbe. Les miliciens sont morts, la guerre on l'a gagnée, mais toi là-dedans, t'es rien. T'es rien qu'une machine à te servir toi-même et je me fous de savoir ce que t'as traversé pour devenir une telle merde. C'est Jean-François qui a raison. C'est vrai que je suis pas comme vous. C'est vrai que j'ai eu de la chance. Entre la guerre et moi, il y a un courant qui passe. J'ai la trouille, moi aussi, mais pas de la même façon. Quand j'ai tué Robbio, il avait vachement peur. Je l'ai traité au couteau. Il avait déjà vu les miliciens piquer un gars derrière la nuque. Il croyait que moi, j'allais lui faire pareil. Il pleurait. Il pouvait pas s'arrêter de pleurer. Alors moi, j'ai mis ma main sur sa bouche et j'ai ouvert la gorge, doucement, sans l'appuyer. Ça fait vachement moins mal que de piquer derrière la nuque. Je suis fatigué de tuer. Alors c'est toi, Jésus ? C'est toi qui vas le faire ? Jésus la pure, la sainte, Jésabelle la martyre. Feriez un beau couple, tu sais, Mathieu et toi. Mathieu et Jésabelle. Matho et Salambo. Mais dis quelque chose, putain! Parle! Bordel de merde, j'en ai marre de votre pureté! Elle m'étrangle! Elle m'étouffe! Elle donne envie de vomir! Tu comprends ça, salope? Je m'en branle de votre courage! À toi, à l'autre brute épaisse là, et à l'autre fumier! Je m'en branle, tu comprends? J'en ai marre des héros, des salauds et des saintes! D'abord, pourquoi tu serais une sainte, toi, hein? La Vierge de Pologne. Qu'est-ce que t'as donné, toi, pour avoir le droit d'être encore en vie? Hein? Qu'est-ce que t'as donné, toi, pour être encore en vie? Hein? Aux Underbows, hein? Au bâtiment spécial, hein? Du matin jusqu'au soir, hein? Et du soir au matin, hein? Aux Underbows, hein? La Madone juive de Buchenwald! Jetzt riecht man nach ne Flasche mit Jalo, Jalo. Ich muss den Brasch in Flasche sehen. Ja, ja, ja. Moi aussi, j'ai eu peur quand ils m'ont arrêté. En entendant les cris et les coups sur la porte, j'ai même pas pensé à tenter de résister. J'ai pas cherché une arme. Il y en avait pourtant. J'ai pas non plus pensé à la fenêtre comme Raoul. J'avais trop peur pour ça. J'ai tout imaginé, très rapidement, tout de suite. La torture et les viols et la balle qu'il tirerait dans ma tête à la fin. Je pensais qu'avec une femme, ça durerait longtemps, qu'ils se feraient plaisir et que ce serait leur secret. Je pensais qu'ils aimeraient me faire peur et me faire mal. J'avais tort. J'étais juive. Ils ont eu peur de moi. Oui. C'est eux qui ont eu peur. Je l'ai tout de suite senti dès que je suis arrivée au central.
ne me parlaient pas, ils ne me regardaient pas. Ils ne m'ont pas interrogé une seule fois. Ils avaient des ordres. Les juifs, c'était pour l'Est. Plus de juifs. Toujours plus de juifs pour la Pologne. Je crois qu'ils devaient savoir ce qui se passait là-bas. Il n'y a que comme ça que je peux comprendre toute cette peur. À Auschwitz, je ne suis restée que quelques jours. J'ai vu l'ogre d'Hitler, la grande chambre à gaz qui dévorait alors des milliers de personnes tous les jours. J'ai croisé le regard de ceux qui y entraient, j'ai respiré l'odeur des bûchers en plein air. Ce monstre-là, bien sûr, je ne l'ai vu que de loin. Il n'y a pas de rescapé des chambres à gaz nazies. Personne ne pourra jamais dire « j'y étais ». On était autour, avant ou à côté. Ils démontaient le camp et ils avaient peur des Russes. Ils nous ont évacués vers Dora, Buchenwald. J'étais jeune, j'étais belle. Ça a été Buchenwald. En avril, les Américains sont arrivés. Ce sont eux, les premiers hommes libres que j'ai vus. Des Noirs de Chicago qui écoutaient du jazz. Tu dis que tu veux savoir comment j'ai survécu. Je n'ai pas survécu. On ne survit pas à un camp de concentration. On y traverse la mort. Fous le camp. Fous le camp!